Alors, la nouvelle petite pochette, vous mettez normalement des pièces, tout ce que vous voulez protéger, pièces en argent, coquilles de pièces. Donc, pour mettre une pièce dedans, vous pouvez mettre dollars, ça passe largement. Donc, vous avez vu, il y a la place. Vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Tac, tac. Ça se ferme par un bouton. Et en plus, derrière, il y a encore une petite poche et vous pouvez encore en mettre. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer la taille, pour vous montrer ce que vous pouvez faire avec. Elle est pratique parce qu'il y a deux poches. Et pour ceux qui font du close-up de pièces, eh bien c'est très bien. Un petit truc à rajouter, Jérôme? Non, non, du tout. Moi, je pense que c'est plus pour protéger quand même des pièces qui valent cher. Hein. Donc, notamment comme des flipper coins, des pièces Morgan en argent, des trucs comme ça. Voilà. Je pense que ça sert plus à ça. Après, à transporter, oui, c'est très bien pour transporter... un tour comme un Scotch and Soda, un Silver Copper Brass en position d'un côté, et pourquoi pas un Copper and Silver. Mais oui. Voilà, pour ça vous, va très bien. Vos meilleurs tours de pièces, vous les avez sur vous. Donc pareil, c'est du cuir. Voilà. Maintenant, à vous de jouer.